Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec notre ami Antonio. Et Antonio, bonjour d'ailleurs. Salut Christophe, salut. Comment tu vas, Antonio ? Bon, écoute, ça va. Ça va, c'est cool. Ça caille. Ouais, ça caille vraiment, ouais. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter un petit appareil qui va vous servir à faire pas mal de choses. Et c'est donc Antonio qui va nous l'expliquer. Le nom de l'appareil, c'est le Evo E10. Et cet appareil, on va vous en faire plusieurs vidéos car il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet appareil. Et aujourd'hui, on va vous faire un peu la présentation, ce que fait cet appareil, ce qu'on est capable de faire. Et c'est donc Antonio qui va tout nous raconter sur le Evo E10. Là, donc, je vous filme donc le Evo E10 avec tous ces boutons colorisés comme vous pouvez voir ici. Bien sûr, Antonio va vous les expliquer en détail. Alors, vous pouvez voir ici, je vous mets en gros l'appareil pour vous puissiez, pour les malvoyants, voir un peu toute la colorisation de ces boutons. Et c'est Antonio donc qui va nous expliquer à quoi va nous servir cet appareil. Donc, on laisse la parole à Antonio. Alors, donc, effectivement, j'ai dans ma main un Evo E10 qui est fait par la société VineVision. Effectivement, vous avez plein de boutons. Chaque bouton correspond à une fonction. Donc, l'Evo E10 qui a une quinzaine de boutons à gérer. Et Antonio va donc tous nous les expliquer. Alors effectivement, 15 boutons sur cet appareil, chaque bouton correspondra à une fonction. En haut à gauche, le bouton pour l'allumer. En haut à droite, le bouton qui permet d'enregistrer. Entre ces deux boutons, on a un joystick de navigation très facilement repérable avec en haut une touche qui permet de naviguer vers le haut. Quand on est dans un format DAISY, ça permet de choisir le niveau de navigation. Donc on peut aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Au centre, un bouton qui fait aussi validation et qui est également lecture pause quand on écoute un ouvrage. Alors, sous ce petit joystick, on a à gauche un bouton menu parce que c'est un appareil qui fonctionne avec des menus. Et à droite, le bouton exit qui permet de revenir au niveau précédent du menu. Ensuite, on a une rangée de 3 boutons sous ces deux boutons-là. À gauche, nous avons le bouton volume moins. Au centre, la touche information. À droite, le bouton volume plus. Ensuite, en bas, la dernière rangée de boutons. À gauche, la touche musique. Ensuite, la touche radio FM. Et complètement à droite, la touche signet. En termes de mémoire interne, on a quoi en mémoire interne sur cet appareil ? On a 4 Go de mémoire interne. Extensible, bien sûr, ou... Alors, on peut ajouter une carte SD sur la fente qui est ici. D'accord. C'est de la carte SD classique, c'est pas de la carte SD HC. Non, c'est de la carte SD HC. Donc, ça veut dire qu'on va de 2 à 32 Go. Sur la tranche droite, alors, une prise casque, une prise micro. On voit, ici, je vois 3 trous. Donc, voilà. Prise casque, prise micro, tout en haut. Voilà. Et en dessous, on peut connecter un câble. Alors, il y a un câble mini USB qui est fourni, qui peut permettre de le relier au PC, de le charger aussi via un bloc secteur qui est fourni aussi. En termes d'autonomie, on est sur combien d'autonomie avec cet appareil ? On est sur, franchement, de la lecture sur haut-parleur. On est facilement entre 10 et 15 heures. 10 et 15 heures, j'insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'appareil ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Cet Evo E10, c'est au départ un dictaphone, mais pas seulement. Qui dit dictaphone, c'est aussi un lecteur de livres DAISY, des livres DAISY de EOL, du service de la VH. Par exemple, les gens qui vont arriver sur cette vidéo, qui ne savent pas ce que c'est le DAISY, qu'est-ce que veut dire en fait DAISY ? Alors le DAISY, c'est un format structuré, d'accord, qui permet, quand on est dans un livre qui a été correctement structuré, de naviguer soit de chapitre en chapitre ou de page en page à l'aide de simples touches du dictaphone. Donc c'est vraiment un format prévu pour les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes qui aiment la lecture et qui veulent lire telle une personne voyante. Tout à fait, tout à fait. Avec la possibilité de naviguer dans l'ouvrage comme tout le monde. Ça peut servir vraiment. Est-ce qu'on pourrait dédier aussi ce produit-là par rapport aux étudiants ou pas ? Ah, tout à fait. Des étudiants qui ont un ouvrage scolaire, DAISY, pourront le lire. J'ajoute aussi, puisqu'on est toujours dans l'aspect étudiant, que ça peut lire le format EPUB. C'est un format de livre électronique, à condition qu'il ne soit pas protégé. Le format EPUB, c'est aussi un format qui va nous permettre
de nous déplacer dans un bouquin correctement structuré, de page en page, de chapitre en chapitre, voire même de paragraphe en paragraphe. En plus de ça, il peut aussi lire du format MP3. Hein. Donc on prend un format MP3, on le copie dans le lecteur Evo E10 en connectant au PC avec le câble qui est fourni. Et dans ce cas-là, votre lecteur va se comporter comme un périphérique de stockage amovible, comme une clé USB. On a du MP3. On a aussi des fonctions, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas toutes les évoquer ici. On a la fonction radio FM qui va utiliser le casque et aussi la possibilité d'écouter des radios et des podcasts sur Internet. Il faut savoir aujourd'hui que quand vous achetez ce produit chez Cessia, par exemple, eh bien, il y a une playlist de radio et de podcasts qui sont insérés dans cet appareil. En termes de connectivité, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi, il y a quoi sur cet appareil? Alors, on est en Wi-Fi. Pour la connectivité, on est en Wi-Fi. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser une box Internet, rentrer le code de la box à l'aide du clavier. C'est quelque chose qui se fait très facilement. On peut aussi faire un fichier texte, mais nous, aujourd'hui, on va faire que du clavier et on va pouvoir se connecter à Internet. Est-ce que la batterie est interchangeable par l'utilisateur? Non, la batterie est moulée. La batterie est intégrée. Donc, s'il y a un souci, ça sera un retour à l'usine. Par exemple, une personne reçoit cet appareil chez elle. Est-ce qu'une personne est capable instantanément de se débrouiller toute seule? Oui, parce que comme on va le faire, je vais allumer et on va voir tout de suite que tout est vocalisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec le joystick, je vais aller chercher un livre MP3 que j'ai là-dessus, par exemple. Indexé volume guide, WPS, indexé volume racine, système volume information, dossier. Donc je vais appuyer sur mon joystick vers le haut. Radio Internet, dossier. Podcast Reader, dossier. Enregistrement, dossier. Daisy, dossier. Audiobord, dossier. Alors on peut créer les répertoires qu'on veut. Hein. Donc moi je le mets là. Borde Gilbert, chante, rossignol 5h50, dossier. Et je vais valider. 01 piste 01 MP3, 40... Gilbert Borde, chante, rossignol. Beaulieu sur Vézère, bourgade proche de Brive-la-Gaillarde, somnole sous le soleil ardent de cet été 2012. Sa rue principale, si je veux l'arrêter, je fais simplement play pause. Et là, la lecture s'arrête. Bon, je vous ai montré qu'il parlait tout le temps. Si j'appuie pour l'éteindre, voilà ce qui va se passer. Arrêt en cours. Et l'Evo E10 s'est arrêté. Dès l'allumage, c'est un appareil entièrement vocalisé qu'on retrouve et totalement, dès qu'on va appuyer sur les touches, on va savoir ce que la touche voilà. Fait par rapport à la vocalisation. Tout à fait, tout à fait. Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de se connecter en Wi-Fi, hein, déjà pour montrer un petit peu le processus. Voilà. Ben après, on s'arrêtera là et on partira sur une autre vidéo la prochaine fois. D'accord, pas de problème. Alors, on va connecter l'Evo E10 en Wi-Fi pour ensuite bénéficier des radios, podcasts, etc. Et ceci, on vous le présentera dans une seconde vidéo. On essaiera, comme on vous a dit déjà dans les premières vidéos, de faire plusieurs vidéos, des mini tutos. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-nous ça en commentaire. Ce que vous aimeriez voir, si vous préférez des petits tutos, des plus longs, ça nous intéresse de savoir ça dans les commentaires. Alors, on va connecter au Wi-Fi. Alors, on va se mettre donc en connexion Wi-Fi avec l'Evo E10. Pourquoi faire? Donc ça va être pour écouter des radios, pour écouter des podcasts. Je vais donc appuyer sur le bouton marche-arrêt, qui, comme je vous le rappelle, est en haut à gauche. Il vibre, voilà, il vibre. Alors, je vais appuyer sur la touche menu. Réseau. La première option que j'ai dans le menu, c'est réseau. Avant toute chose, je vais mettre un tout petit peu plus fort avec le bouton de volume. Volume 10. Volume 11. Voilà. Donc je valide sur mon option réseau. Option sans fil. Je valide là-dessus aussi. Wi-Fi activé. Donc le Wi-Fi est activé et on va aller faire de la... Recherche des réseaux, veuillez patienter. Recherche terminée. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire défiler ma liste de réseaux avec les flèches haut et bas. FFE licence admin. WLANCE CIA extant. Force du signal 47. Je vais valider là-dessus. Veuillez entrer le mot de passe 0. Alors, j'ai des chiffres qui me sont proposés et pour les faire défiler, je vais utiliser les flèches haut et bas.
pour valider un chiffre, par exemple, je fais un coup de flèche droite. 0. Alors là, je suis en mode chiffre. Donc, je vais me mettre en mode lettre. Majuscule. En appuyant majuscule. Sur la touche signet. Un majuscule. Minuscule. Connecté à iPhone, c'est Antonio. Et voilà, on est donc connecté à l'iPhone. Et en Wi-Fi, bien entendu. D'accord ? Donc, j'ai donc une connexion Wi-Fi avec l'Evo E10. On va juste aller chercher une radio. Donc... Option sans fil. Réseau. Audiobord. Dossier. Alors, je vais chercher le dossier radio internet. Daisy. Enregistrement. Podcast. Radio internet. Je valide. Dossier. France Bleu Alsace. Et je vais mettre... Virgin Radio. Virgin Radio. Je valide. Et donc, on est connecté en Wi-Fi à Virgin Radio. Si D'accord. je veux arrêter, j'appuie sur Play Pause, le centre du joystick. Voilà. Virgin Radio. D'accord, donc le but qu'il soit connecté à Internet, c'est bien pour les podcasts et la radio. Tout à fait. Est-ce que c'est difficile d'aller, par exemple, mettre des livres, comme tu disais, et pub tout à l'heure, ou des livres... Alors, il fait les livres de la BNFA, mais uniquement les voix synthèse et voix humaine. D'accord. Il ne fera pas de DESI texte de la BNFA, puisque les livres textes les DESI textes de la BNFA sont cryptés. D'accord. Par contre, on peut mettre effectivement les livres en voix humaine ou en voix de synthèse, et on peut mettre aussi tous les livres en voix de synthèse et humaine de l'AVH. Donc là, on ne peut pas télécharger de livres à partir d'Internet, c'est simplement faire du copier-coller avec un PC. Non, il faut faire du copier-coller avec un PC, avec l'explorateur, et ça se fait très bien. Bon, ben, très cool. Merci pour la présentation, Antonio, c'était vraiment bien. On va, comme je vous disais tout à l'heure, faire d'autres vidéos sur ce produit, si vous en voulez d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous désirez savoir sur l'appareil, ce que vous désirez voir en vidéo. Avec Antonio, on va se faire un grand plaisir de vous le faire. Sur d'autres produits, mettez-nous ça aussi en commentaire. Avec Antonio, comme d'habitude, on se fera un super plaisir à vous les faire. Eh bien, merci Antonio de nous avoir présenté ça. Merci Christophe et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Allez, à tous. Salut.